Bonsoir, donc je suis Coralie Ra, je suis donc la trésorière de l'association Club Business Lady 12. Alors, que se passe-t-il ce soir ? Donc ce soir, nous réunissons pour un atelier qui est proposé aux membres. Voilà, c'est quelque chose qu'on met en place au sein de l'association. Ce sont des ateliers qui permettront aux adhérentes de ce soir d'approcher d'un peu plus près la stratégie en entreprise, au niveau des organisations, donc en entreprise. Voilà, ça leur apporter quelques outils supplémentaires qui permettront de développer à court et long terme surtout leur entreprise. Bonjour, Stéphane Rouquette, je suis consultant en stratégie et en développement à l'international. Alors, qu'est-ce qui vous a donné finalement envie de participer à cet atelier ? On m'a tout simplement sollicité, et comme je crois beaucoup à la démarche du BL, du BL12, je trouve que c'est une démarche dynamique et c'est pour ça que j'étais intéressé à animer un atelier avec elle. Bon, alors vous, votre mission ce soir, ce sera quoi ? De leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une stratégie et comment est-ce qu'on met en place une stratégie et montrer que c'est pas un grand mot vulgaire pour les grandes sociétés, mais que ça s'adapte à toutes les organisations. D'accord, donc ça va au-delà de la transmission d'informations finalement ? Je risque de leur donner quelque chose un peu imbuvable par moment, et on est obligé de passer par là, mais le tout dans la bonne humeur et d'essayer de leur faire comprendre qu'il y a certains éléments importants à considérer quand on cherche à développer sa société. Et moi, je participe à cet atelier justement pour venir chercher des idées, pour développer mon activité, faire des actions. Voilà, chercher des techniques commerciales. Et vous ? Ben, pareil. Parce que ça va m'apporter beaucoup de choses pour mieux m'organiser et avoir une meilleure visibilité de l'orientation que je dois prendre. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire au club des business ladies ? Parce que je suis une femme et que je suis une entreprise aveyronnaise. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez de ce groupe ? Rencontrer des personnes qui sont en entreprise, en activité, dans différentes activités, créer un réseau et aussi s'entraider. Donc, nous avons autant dans le bien-être que conseil en images, dans la création, que dans le graphisme, voilà. Bon, et alors, est-ce que c'est une chance, une opportunité, finalement, d'être dans des domaines aussi variés ? Oui, je pense, c'est ce qui nourrit le club. Et voilà, l'avantage de ce soir, c'est que la stratégie s'adapte vraiment à toute entreprise. Avec un nombre d'adhérentes toujours croissant, le club des Business Ladies n'est pas prêt de s'arrêter. D'autres ateliers sont d'ores et déjà programmés. Échanger, donner quelques clés à ces dames pour réussir leur ascension entrepreneuriale, c'est tout le défi de ces rendez-vous. Si vous souhaitez adhérer, n'hésitez pas à les contacter.